Trash Talk et Katia, mais ça c'est normal. C'est un petit peu notre cheval de bataille. Et Yaz et Francis, bah écoutez, alors des gens que vous connaissez probablement, puisqu'il s'agit de Yaz et Francis, Yaz joueur de Bayonetta, et Francis joueur de Amphinobi, donc vraiment la personne qui me pose le plus de soucis en ce moment, vu que Amphinobi est un problème absolu pour Roy, mais vous le savez, No Jones bien sûr, No Jones. Mais vous commencez à me connaître, je crois. Donc le Nord contre l'Ouest de la France. Ça c'est un exercice assez difficile je crois pour nos fiefés nordistes. T'inquiète, prends ton temps, ça va. On est bon ? Donc on est parti pour ce premier match de double en Saltirina Cup numéro 2. Et là pendant que c'est parti avec Ryu qui commence avec un Tatsumaki. Un Tatsumaki assez fiefé avec donc l'Amphinobi et la Bayonetta qui vont essayer de coincer nos deux amis. Ouais, t'inquiète pas. Pendant que la Bayonetta va chercher avec les side deal, l'Amphinobi avec le multi-jab pour chercher. Vous voyez hein, là il y a Ryu qui essaie de donner un petit peu d'espace avec son F2, notamment le petit. Et la Bayonetta qui va continuer de faire son travail de sapage hein, avec ses box assez dégueulasses, vous le savez tous maintenant. Doit-on ban Bayonetta d'ailleurs? Je vous renvoie à une vidéo d'un certain youtubeur sympa. Avec Amphinobi hein, qui va essayer d'aller chercher le full screen derrière sur rien, bien sûr jouer avec le grab pour faire tout de suite derrière. Là ça commence à avoir un net avantage pour les nordistes avec le nerf de Bayonetta. Wap hop hop un F-Smash, mais ça ne tuera pas pour le moment avec le bien sûr le upbeat de Bayonetta qui va chercher bien la focus attaque sur le multi-hit. Avec Wurz qui essaye bien de chercher un petit peu son mate hein, qui gère de son côté avec un 47% pour l'instant avec le up smash géré par le Tatsu qui sera annulé bien évidemment par le Ryu. Pendant que bien évidemment le der de la Bayonetta ne mènera nulle part. Attention avec le grab derrière, non. Alors là pour l'instant aucun kill mais ça commence à être serré hein. Je vous rappelle que le Ryu est à 150% avec un der de Bayonetta, ça ne mènera malheureusement pas au kill pour l'instant. La focus attaque ici. Est-ce qu'il y a Wapapo? Oh mon dieu, le nord de... Alors l'ouest de la France qui piffe un Shoryu. C'est incroyable. Mais s'il était piffé, tous les Shoryu de la planète sont piffés, vous le savez. Avec un up smash de Bayonetta. Oui c'est TPK. Faites gaffe à la lumière. Oui c'est complètement TPK mon ami King Punch, y a pas de souci. Hein. Avec là le premier stop partout qui est pris. Mais Ours qui commence à, eh bien, à gérer, mais c'est tout ce qu'on lui demande de placer un Shoryuken, hein, c'est tout. Ce qu'on lui demande, meilleur Ryu de France pour faire ça, c'est quand même incroyable. Pendant que la Bayonetta bah, nous fait un F-Tilt avec toutes les box sympas, le multi-jab qui viendra nulle part, avec la Ryu qui va gérer derrière pour emmener le tout à 40% et des brouettes. Pendant que la focus attaque va essayer de se donner un petit peu de mobilité dans les airs avec le fer derrière, bien fini pour... Hop hop hop, la F-Smash un petit peu belliqueux, hein, mais ça c'est complètement Yaz, un petit F-Smash ça peut se piffer de temps en temps, c'est rigolo. Pendant que là, le Witch Time qui arrive frame 5, hein, je vous le rappelle, qui va peut-être essayer aussi d'aller chercher... Ah, Shoryu piffé, mais oui. Mais on te le dit qu'il est piffé ce Shoryu, on te le dit. Pendant que... Waouh. Alors, là je vous rappelle un petit peu que ça commence à sentir un petit peu, eh bien, à défaut de sentir le boudin, puisqu'on est dans le nord, ça sent la fuite avec, eh bien évidemment, la team bleue qui commence à avoir un petit peu du mal à se rattraper. Attention, le offstage de Bayonetta qui sera géré, cela dit, sans problème particulier. Des tils, Shoryu raté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il voulait le strong des tilts, pendant que le FR de la Bayonetta ne prendra pas le coup sur la Bayonetta si on le derrière. Là ça commence à arriver, le... Voilà, upload. Bien joué, c'est propre, ça tue, c'est propre. Bien évidemment, c'est propre avec la Bayonetta qui fait sa vie là-haut. Est-ce que... Non, pas du tout. Fait sa vie, faut pas la laisser faire sa vie, hein, la Bayonetta. Hein. Faut pas lui laisser faire sa vie pendant que le Tatsumaki va essayer d'un petit peu de revenir. Voilà, repiffage de Shoryuken, hein, mais là on est habitué. Bon, ce qui commence à se donner, commence un petit peu à être dans l'habitude de piffer des Shoryu, mais en 2v2 c'est complètement viable, vu que bien évidemment avec la hitbox aspirateur brevetée par Dyson, et bien croyez-moi qu'il y a de quoi faire. Attention la tech, bien évidemment de notre ami Fate qui a mérité son gîte ce soir, bien évidemment. Pendant que... ouais, il dort à la maison, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire. On peut pas avoir le stock de Greninja avec la bannière, notre ami Arnaud. Ah, on n'y peut rien. Pendant que le technicien, le réal... Hop ! Le Shoryuken dans les airs, nerfez-moi ça, Sakurai, si tu nous écoutes, et il y a beaucoup de chances que tu nous écoutes, parce que tu es amoureux du Nord de la France, je l'espère. Avec... deux F-Flow de la part de Bayonetta avec un smash derrière. Là, ça commence à faire pas mal de dégâts, mais évidemment, voilà, là ça cherche les grabs avec un bear de Ryu derrière. Là il garde le shield enclenché, là, il sait que ça peut rien faire parce que les grabs de Bayonetta et d'Amphinobi sont pas tellement cool en 2v2. Rappelons-le, là Mario qui va essayer d'un petit peu te donner l'air avec des backers et des boulettes. Hein, ça c'est vraiment, vraiment la team du spacing. Hein, non seulement c'est la team de la galette bretonne, mais c'est du spacing. Allez savoir la relation entre les deux, j'en sais rien. Le
back throw qui ne mènera pour l'instant nulle part avec l'up smash bien évidemment. Là c'est un petit peu even là, ça se joue dans un mouchoir de poche, tout le monde retient son souffle, mais c'est sans compter le Ryu. Meilleur Ryu français, que s'est-il passé? Ah, il prend la stock quand même hein. Voilà, voilà. Le breton qui vole les stocks. À défaut de pas payer les autoroutes, il vole les stocks. Et bien de son ami, de son collègue, bah là ça commence à se gérer bien évidemment là. Ça commence à se gérer, c'est les teams combo avec le Sagui, bien évidemment. Ça c'est, voyez l'intelligence, c'est qu'il est resté appuyé. Et bien, ça prend pas. Ça prendra pas. Wap le Shoryuken bien évidemment. Allez, deuxième Shoryu, et non, on est bon, on est dans une situation de 1v1, là, ça commence à être un petit peu plus sérieux avec un air, des tilts, et Hadoken, pardon, avec le bear derrière, pour le multi, pour essayer de couvrir un petit peu la focus attaque avec un air ici. Voilà, Greninja est à une stock, hein, il t'a une stock à pour, hein, si tu m'écoutes, voilà. Hop, 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 je pense pas que c'était forcément la meilleure des choses à faire, je pense qu'il y avait un up smash à faire qui était un petit peu rigolo, je vous l'ai dit. Il est parti pour un down smash, le Ryu qui va essayer un petit peu de se rapprocher. Là, le but, voilà, c'est surtout pas de se prendre des hits multi, hein, que ce soit le jab, le bear ou que sais-je. Bon, ça va pas passer du tout. Le Shoryuken avec la FAF de la focus attack qui permet un Shoryuken derrière, mais c'était pas un trou. Ce qui aurait pu permettre de donner le kill, mais il est pas. Je pense qu'il a été un petit peu frileux. Voilà, jab, jab, nair. Ça, c'est pas mal. Sur la première hitbox, il permet de donner un petit peu d'espace. Attention! Voilà, ce neutral B hein, qui va essayer aussi de se faire un petit peu stall dans les airs avec le bear qui a essayé de chercher la focus attack. Là, je pense que ça peut être pas mal, voilà. Attention. Hop, hop, hop. Alors là, le up B qui pouvait, là, il y avait probablement une mytho no jutsu avec le F smash derrière qui ne mènera nulle part. La grenouille contre, eh bien, le bodybuilder karatéka. Ah, pas là, est-ce que c'est là? L'up throw qui ne mènera nulle part. Je pense que la deuxième pourrait passer. Là, faudrait essayer de chercher. Voilà, le jab jab, pas en multi, bien évidemment, pour mettre off stage. Parce que là, off stage Ryu est un petit peu, eh bien, je dirais. Dans le problème, ah voilà, pifage de Shoryu, mais là on est habitué, hein. c'est un Ryu, c'est un... on est habitué bien évidemment. Hop, et le fer, est-ce que ça tue? Bravo, bravo à notre ami, eh bien, nordiste. Premier match, première stock, première game. Et là, je pense qu'on peut s'en tirer de conclusion hâtive, mais dire que le Nord est devant, et ça c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal. Alors, bien évidemment, salutations les plus sincères à tous les gens qui nous rejoignent. Eh bien, sur le chat, eh bien, n'hésitez pas à faire tourner ce stream de la Sax Altarena Cup qui peut, eh bien, sans toute modestie, dire que c'est un major français. Mais oui. Est-ce qu'on peut le dire, Arnaud? C'est un major français. De toute façon, dès lors qu'il y a des Bretons chez nous, c'est un major. Ça, c'est pour vous, les tuyaux de toute la France entière qui nous regardent. Pendant que ce deuxième match va commencer avec un petit peu un bordel de début de match en 2v2, comme bien vous le savez. On en a bientôt maintenant l'habitude avec un multi-jab de Amphinobi pour essayer de se mettre un petit peu dans la menace. Mais la Bayonetta qui va essayer de chercher. Bon, là, le but de la Bayonetta, ça va être de mettre un petit peu des side-B dedans. Avec là encore un multi-jab, c'est pas mal, hein, le hitbox qui couvre pas mal d'espace, hein, notamment eh bien, sur le fait que il faut stack up hein, vos ennemis en 2v2, surtout quand vous avez des jabs en multi-hit, hein, et le bear, bah, là, d'Orphobie qui fait complètement le taf, hein, Orphobie qui est un excellent personnage de 2v2, Takarage dans le chat, évidemment. Alors, n'hésitez pas à sidebet, hein, sidebet le Nord, il n'y a pas de souci. Oh la vache! Mais que s'est-il passé? Mais que s'est-il passé? Le DR, je suis désolé, j'ai explosé le micro. Mais Yaz qui s'est senti pousser des ailes et qui a DR sur la plateforme. Bon, il se fait prendre un stock derrière. Ça, c'est pas grave. Et je salue bien bas notre Wing GT local qui ne rate aucun tournoi français. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pendant que le jab de Mario va essayer de mettre un Amphinobi en situation d'offstage. Mais là, le bear ne viendra certainement pas stage spike. Notre ami Francis qui connaît les bails. Quoique dans le dictionnaire français on ne dit pas bail mais beau. Voilà, donc ça c'est pour tous ceux qui nous regardent et qui se demandent encore s'il y a un pluriel à bail. Pendant que le nerd Amphinobi va essayer un petit peu de gérer notre ours ouzbek national qui est arrivé, qui a passé les poules au syndicate. Et ça quand même, eh bien ça se dit, franchement ça se dit, top 64 au syndicate. Je pense que c'est pas mal à rappeler. Pendant que la Saltierina bot, n'hésitez pas à lire ce que dit ce précieux allié, voilà, informatique qui va pouvoir vous donner des opportunités de side bet. N'hésitez pas à side bet, il y a de quoi faire. Voilà, avec le bear, voilà, qui va gérer la recovery avec le Tatsumi de Ryu qui est complètement gratos.
Rappelez-vous que l'hitbox est situé au niveau bien évidemment des jambes, il n'y a absolument aucune espèce de hitbox. Pendant que c'est pas mal, avec un Berserk B qui sera un petit peu géré le nerf, voilà, on reste appuyé sur le nerf, hein. C'est la meilleure des choses à faire en 2v2, c'est complètement débile, mais ça fonctionne, c'est probablement la seule chose qu'il y a à faire dans ce match. Dès qu'il y a un truc débile, n'hésitez pas à l'exploiter. Voilà le Witch Time, frame 5, mais bien évidemment notre ami Fate. Voilà, oh là, le Tatsumaki qui va venir chercher dans les airs, mais ça j'y crois pas. Pendant que notre ami, eh bien, Darkshad va venir chercher, c'était Mario, hein, plus complètement. Sur le sol avec le back air derrière de Amphinobi avec la dash attack, le upper, là ça commence à faire grimper les pourcentages à 22%. Donc là, le fer du Ryu sur la plateforme, il y a pas mal d'arnaques à faire avec Ryu sur la plateforme de Smashville. Et d'ailleurs, on n'a pas noté, mais on joue sur Smashville, mais c'est normal, nous sommes un tournoi français. Donc en France, on ne joue que Smashville, ça c'est la légende qui le veut, avec voilà le reflect du Mario qui va essayer un petit peu de rappeler Amphinobi qu'il ne fait pas bon balancer des projectiles en 2v2. Pendant que voilà, le piffage de Smash et le shield break, que va-t-il se passer? Ah, c'est pas mal, le sauvetage de France. Voilà, oh, Darkshad, excusez-moi. Oh, quand même un sauvetage au Up Smash, et ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt sympathique, mais le Greninja, la Bayonetta, pardon, excusez-moi, qui s'est fait virer. Là, alors là, l'équipe de Fate et Onsuzne qui commence un petit peu à reprendre du poil de la bête. Et ça c'est plutôt bien à voir, parce qu'on va pouvoir avoir un troisième match probablement. Ça ne sera pas un stomp gratos. Et ça c'est plutôt sympathique avec le upper, voilà le late upper qui arrive à venir chercher sur le sol, sauf qu'il n'y aura pas de follow-up. Avec le Mario qui essaye de tenir le Amphinobi à distance, puisque bien évidemment dans un 2v2, il faut faire gaffe au Amphinobi qui est sur le milieu de stage, puisqu'avec son jab en multi-hit, il peut donner beaucoup d'espace à son mate. Et là le upper de Bayonetta qui ne tuera pas la recovery de Mario, que va-t-il faire? Bon, sans grand problème, j'imagine, le nerf de toute façon qui ne peut pas toucher. Hop hop hop, le pion qui viendra mettre Ryu, qui va encore lui voler une stock, hein, bien évidemment, mais ça c'est l'esprit d'équipe, il n'y a absolument aucun avis là-dedans, il n'y a aucun problème, excusez-moi, j'en perds mon latin. Pendant qu'encore un piffage de Shoryuken, mais là up tilt, up B avec le side B qui mènera nulle part avec le sauvetage et dans le fate. Et on vient vu son allié dans la panade avec le nerf derrière, bien évidemment. Hop hop hop, le Shoryuken. Bien évidemment, c'est ça. Alors ça, ce qu'il y a de bien, c'est que le Street Fighter 5 à Smash, c'est la constante. Un piffage de Shoryu dans le tas, il n'y a pas de souci. À tous nos fiefs joueurs de Street Fighter du live, je vous salue bien bas. Pendant que le side B, et bien le Bayonetta viendra essayer d'un petit peu de... Là, c'est un petit peu Bayonetta seul contre tous, mais on a déjà vu des scénarios où la Bayonetta peut complètement... Mais là, bon là, ça tente un petit peu les arnaques du live. Non, ours. Tu vois, bah voilà, deuxième Shoryu. Que dire? Deux kills décisifs de Shoryu. N'hésitez pas à appeler Sakurai pour lui faire noter sa hitbox en aspirateur et bien sûr le gros Shoryu. Alors ça c'est classe. Ça c'est quand même une fin de la classe. Pendant que notre réalisateur est en train de s'amuser avec Photoshop et c'est plutôt classe, n'hésitez pas d'ailleurs à checker dans les jours à venir et bien les VOD qu'on mettra très probablement sur le YouTube de la Salty Arena. Puisque ça, c'est pas mal, trop de Shoryu, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon petit Apo. Trop de Shoryu, tue le Shoryu. Mais ça, ça on commence à en avoir l'habitude, hein. Top 2, je vous le rappelle, dans ma tier list perso, voilà. Ça c'est dit, encore une petite pub, vous allez en avoir de la pub, vous allez en avoir. Ça, vous allez en avoir, ah si, allègrement. On en met partout, en tartine. Pendant qu'on retourne à ce match, troisième match bien de cette première phase de poule de 2v2 avec Nord contre l'Ouest. Pendant que, oui, c'est l'art du Shoryuken absolument. Là, c'est complètement even. Là, ça va être... On va essayer de chercher un petit peu du pourcentage dans tous les sens avec surtout les jabs en multi-hit avec les box assez grandes. Ça, c'est le propre d'Amphinobi. Mais surtout de Bayonetta, hein, puisque son jab en 4 coups peut être Smash DI. Mais dans cette situation de 2v2, ça reste hop, 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 avec le Smash qui part du bout de la scène. Et là, le strong jab, voilà, qui prendra le kill sur la Bayonetta. Complètement... un move complètement sous-estimé, selon moi. Mais qui vaut son pesant de carouette. Pendant que le F-Smash, il n'y aura pas de Shoryu derrière. Parce que normalement, ça c'est. Hop! Bien évidemment, hein, le focus attack. Faut pas du tout F-Smash à focus attack. Et malheureusement, ce qu'il y a eu. Eh bien, le nez creux, comme dirait l'autre. Et bien là, hop! Le bear qui tuera. Voilà. Il se retourne pas. On dirait un film de James Bond après l'explosion. Il ne se retourne pas, notre ami Yaz. Pendant que. Eh bien, il continue avec la focus attack qui prendra. Eh bien, à la fois Fate et Amphinobi. Donc là, il n'y aura aucune espèce de réaction. J'aime la pute, Made in TPK, bien évidemment. Mais ça, ça vous me connaissez, hein. Vous commencez à me connaître, on tartine la pub allègrement. Pendant que le jab, pas en multi cette fois-ci, puisque là en situation de 1v1, faut essayer de mettre offstage un minimum, hein, c'est Ryu. Puisque vous le savez, voilà, là il piffe des smash, up full derrière, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Surtout quand tu es bien en close range contre un amphinobi en situation de 1v1, mais là le up smash. Voilà, frame 5 à 11, hein, l'invisibilité, on la connaît tous. Et ça, c'est plutôt sympathique avec. Voilà, le Vegeta en backflow, hein, bien évidemment. Le Tatsumaki derrière pour Rico, et ça ne posera pas de soucis puisqu'il a Rico vers le haut. Ça, c'est une très très bonne idée avec le F-Smash piffé derrière. Mario qui essaye de donner de l'espace à son teammate, et ça, c'est plutôt sympa. Pendant que le DR ne mènera nulle part. Et là, voilà, là, faut faire gaffe hein, quand même. Faut faire gaffe quand même en Finobi qui essaye de recover. Faut pas trop se mettre avec le beat Bayonetta derrière avec les frames actifs, ça peut venir le choper. Pendant que sur la. Wow, sur la plateforme, il y a une arnaque à faire. Voilà, arnaque no jutsu qui ne passera nulle part, bien évidemment. Pendant que mon ami Taka est complètement, mais alors. Mais. Absorbé par ce qu'il voit à côté des Katia qui en a la bouche ouverte. Ferme la bouche, mon gars, on pourrait croire à des choses. Alors, pendant que notre ami en Finobi fait un F2 avec un Tatsu. Ça mènera là aussi nulle part. Là, ça se cherche, hein. Deux stocks partout, ça commence à se chercher. Là, un contre un. Enfin, excusez-moi, une game partout, ça commence à être assez chaud, surtout avec deux stocks partout. Là, ça se donne un petit peu de l'air. Voilà, attention à la Bayonetta qui est en train de faire sa vie là-haut. Mais non, ça ne fera rien. Même avec un EPR de l'enfer. Hop, bah voilà. Le Mario qui prendra sa première stock. Enfin, sa deuxième stock, pardon. Mais là, il y a un désavantage de une stock. Là, il y a un déficit de une stock par rapport à notre team de l'Ouest. Un petit ledge trumping qui mènera nulle part avec le Shoryu derrière sur le grab, bien évidemment, qui essayait de choper le grab release pour essayer d'avoir une arnaque, mais avec le F-Smash. Hein, frame 5 à 11. Là, ça commence à faire. Ça fait mal. Le F-Smash piffé. Attention, là, un Amphinobi à 130%, c'est peut-être pas la meilleure idée que de piffer un F-Smash dans le tas avec le nerf qui va chercher un petit peu les frames de recovery de notre ami Ryu. Wap, hop, hop, le F-Throw qui viendra tuer Francis. Starkshot, pardon, pendant que le flow bien évidemment qui mettra le compteur en une stock partout sauf avec notre ami Ryu. Là, le déficit d'un stock complètement renversé pour notre ami eh bien, de joueur de l'Ouest, Fifi joueur de l'Ouest, qui je le rappelle ont fait le déplacement jusque dans le nord, et ça, eh bien ça se salue bien bas. Ça se salue, voilà, exactement, là le nerf, hein, surtout avec la première hitbox qui permet de donner un petit peu d'espace. Voilà, le Shoryuken, malheureusement, Yas qui a pas pu profiter de la recovery un petit peu moyenne du Ryu, malheureusement, voilà, bon, le bat within, voilà, exactement. Là, on va être dans un déficit égal, bien évidemment, une stock partout, là, ça commence à être sympa, avec le down throw, attention, la Bayonetta qui va être emmenée là-haut. Et là c'est complètement even, on peut pas donner clairement de vainqueur. Bon, la Ryu qui est à 5%, mais il y a moyen d'arnaquer, surtout avec le upbeat de Amphinobi, vous le savez, qui peut complètement arnaquer des recovery, surtout celle de Ryu qui est quand même assez verticale et assez rigide. Enfin verticale, horizontale aussi, mais la rigidité est là, voilà, le battle guide qui viendra un petit peu absorber ce upper. Attention, cela dit au Tatsumaki qui viendra chercher le out of shield. Ça c'est quand même assez compliqué aussi, le fer de Amphinobi. Et là, il y a clairement, pendant que notre ami Maillet vient d'arriver. Comment tu dis, t'inquiète pas, en plein casting. Mais là, et là, là notre ami Darkshad qui est tout seul, face contre tous. Ce qui ne manquera pas eh bien, de donner des ailes et de faire pousser eh bien, un élan de motivation à notre peuple nordiste qui est vraiment bras ballant derrière la télé. Que va-t-il se passer? Un Shoryuken qui passera pas, cela dit, hein, puisque c'est même le trop Shoryu, mais 35%, il n'y a pas la rage. Je suis puissante et le up smash! Le up smash qui viendra prendre, c'est incroyable! Les nos amis bretons qui ont rattrapé. T'inquiète pas. Qui sont venus rattraper avec 2-1, incroyable, 2-1 pour nos amis de l'Ouest qui ont rattrapé la première game, qui pourtant n'était pas facile, hein. Faut l'avouer avec pas mal Shoryu, bravo mon ami ours. C'est compliqué. La journée va être très difficile. Mais nous dans le nord on ne joue pas que Cloud. Et là on te l'a prouvé. Et ça c'est pas mal. Pendant que nos amis alsaciens, on est passé de l'ouest, on va directement aller jusque l'autre bout. Mais on va dire sur la latitude, sur la longitude pardon, de la France, puisqu'on va aller sur le côté est avec eh bien, nos amis alsaciens.